Je raconte une histoire qui date de la Shoah et qui a une incidence avec, avec aujourd'hui. En Ukraine, il y avait une dame qui venait d'avoir un petit enfant, une petite fille. Elle était Sengoya, non juive, ukrainienne. Et elle va prendre, avec son ticket de rationnement, elle va prendre un morceau de pain. Elle revient chez elle à la maison, elle passe près d'un un camp de travail. C'est pas un camp de concentration, un camp d'élimination, un camp de travail juif. Et de par la barrière, il y a un juif qui lui dit « j'ai faim ». Elle a fait un acte de bravoure extraordinaire, elle a regardé à gauche, à droite, et vous, il n'y a personne, elle a lancé le morceau de pain à ce juif. À ce moment-là, elle a sauvé la vie comme ça, parce qu'à l'époque, un morceau de pain, ça valait tout l'or du monde. Elle a mal vu, il y avait un garde nazi qui a crié « halt ! » !»« Halt » en bon français, « halt, arrête, stop ». Elle le voit, elle se met à courir. Et il court après. Elle rentre à la maison, elle enlève son habit, elle le met sous le lit rapidement, elle prend sa petite fille comme ça, hop, elle met à l'été, elle fait ses cheveux comme ça, et lui tape à la porte comme ça, elle ouvre, et il n'a pas compris, c'est pas elle qui l'a vu dans la rue. Et il est reparti comme ça. Le petit-fils de cette dame, il est né en France, de parents ukrainiens, et tout à coup, il semblerait que le mérite de cette grande mitzvah qu'a fait son arrière-grand-mère est revenu sur lui. Il a une attirance extraordinaire pour la Torah. Il m'a écrit, j'ai invité à venir ici, depuis que je ne reçois pas des noms juifs ici à la yeshiva. Il est venu une semaine, je voyais prier, il pleurait, en tant que goy encore, il pleurait pendant la prière. Bon, Hachem, il s'est converti, le Rav Ramo Zerzek Libacha l'a converti, et aujourd'hui un de nos meilleurs élèves, un tzaddik, futur grand Talmid Chacham, sérieux, génial. Et Baruch Hashem, il y a quelques jours, il s'est fiancé. Et Baruch Hashem, dans quelques semaines, il se marie. Mais, il n'y a pas d'argent. Les parents n'ont pas les moyens, très très peu, et il faut assurer un minimum. Alors c'est un appel. Comprenez qu'ici, on a une occasion extraordinaire de faire avec la même somme d'argent, beaucoup de grandes mitzvot. Un, Achnasat Kala, très grande mitzvot, de marier des gens. Deux, Chesed, on aide des gens. Troisième, Aftem et Aguer, il y a une mitzvot d'aimer le converti. Maïmonide écrit que dans la Torah, Dieu va employer la même terminologie qu'il dit pour aimer lui-même, Vavta et Hashem Elokecha, alors que pour aimer son prochain juif, il faut dire Vavta l'ereacha, c'est avec un lamed, l'ereacha. Mais il va dire être pour aimer Dieu. Et il va utiliser la même terminologie pour dire aimer le converti, Vavtem et Hager. Donc une histoire très grande d'aimer le converti. En plus, on parle ici de quelqu'un qui deviendra un grand Amin Chacham, il n'y a aucun doute, c'est quelqu'un de très très sérieux, très même au Hashem, un vrai tzaddik. Donc on a d'ici la Torah. On aide la chokhma du peuple d'Israël à grandir, donc c'est un appel. Ce jeune homme se marie dans quelques semaines, il faut le minimum de dépenses, donc c'est un appel à votre générosité. Et pensez que vous faites beaucoup de grandes mitzvot, ce n'est pas d'une pierre deux coups, d'une pierre quatre, cinq coups extraordinaires de valeur extraordinaire. Et ainsi de Hachem, Dieu aura pitié de nous, c'est marqué que grâce à la tzedaka, alors la Gioula elle vient. Tziyon b'mishpat tipadeh b'shaveh b'tzedaka. Et grâce à ce grand mérite-là, Dieu ait pitié de nous, amen, ma chère, rapidement, amen, va, amen. Et je bénis profondément tous ceux qui vont appeler favorablement et généreusement à mon appel, que Dieu les bénisse, réalise tous leurs soins pour le bien, qu'ils marient leurs propres enfants, qu'ils aient de la réussite dans l'éducation des enfants, la paix à la maison, réussite matérielle, spirituelle, qu'ils aient la grande proximité de la chaîne, que la chaîne soit toujours à leur écoute, et qu'ils soient première loge pour recevoir, ma chère, très bientôt, amen, va, amen.